qui n'est pas facile à être décortiqué. And let me tell you, it's not easy to deal with the topic. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, because when we talk about the presence of God, on parle de Dieu lui-même. We're talking about God himself. Jean chapitre 14. John 14. Verset 15 à 17. And verses 15 and through 17. Les mystères que le Seigneur lui-même révèle. Mysteries that the Lord himself is revealing. Jean 14. John 14. Jean, c'est dans l'Ancien Testament. Is John in the Old Testament? Ah, no okay. Way. C'est dans... Je me souviens. 15 through 7. Je me souviens qu'un jour quelqu'un me 15 disait, à 17. Pasteur, il faut que je sois ancien de l'Église. J'ai dit oui, oui. Est-ce qu'on peut lire un peu l'Épître aux Timothée? Je l'ai trouvé à côté de Genèse. You know, one day I was talking to somebody who claimed he was a church elder, and when I said let's read Timothy, he was next to Genesis. Je lui ai dit même si tu jeûnais 40 ans. I told you, even if you fasted for 40 years, next to Genesis, you'll never find Timothy. Jean chapitre 14, verset 15 à 17. John 14, 15 through 17. Si vous m'aimez, if you love me, vous garderez mes commandements. Obey my commandments. Et moi, je prierai le Père. And I will ask et the il Father, vous donnera un autre consolateur and he will give you another advocate, qui soit éternellement avec vous. Who will never leave you. Dites avec moi un autre consolateur. Say with me another comforter, qui soit éternellement who will never leave us. Avec nous. He will always be with us. Okay. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. He is the spirit of truth that the world cannot receive. Parce qu'il ne le voit pas. Because it is not looking for him. Ne le connaît pas. And doesn't even recognize mais him. Vous, vous le connaissez. But you know him. Parce qu'il demeure près de vous. Because he lives with you now. Et en vous. And will live in you. Parce qu'il demeure près de vous. Because he dwells with et you. Et en vous. And in you. Le Seigneur était en train de révéler la promesse concernant l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. The Lord was revealing about the dwelling of Holy Spirit in the believer. Il y a un mystère que nous ne comprenons pas. There is a mystery that we don't understand. Tout simplement parce que nous faisons de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit trois personnes séparées. Just because we're thinking of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, three separate people. Lorsque nous les prenons comme des personnes séparées, nous ne comprendrons jamais les mystères qu'il y a dans les noms de Dieu. When we look at them as separate people, we will never grasp the mystery that's contained in the name of God. J'aimerais vous aider à comprendre une seule chose. So let me help you understand one thing. Il s'agit quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit d'un seul et alors un seul. So when we talk about the Father, the Son and the Holy Spirit, we're talking about one person. Dans sa pluralité, comme dans sa singularité. In his plural form and in his oneness, il s'agit d'un seul alors d'un seul. We're talking about one and one only. Pas trois personnes séparées. Not three separate people. Il n'y a pas une personne qui était absente au ciel lorsqu'il y a une autre personne qui était présente sur la terre pour dire que je suis le Fils de Dieu. We're not talking about three separate people so that one of them was on the earth and claimed to be the Son of God. Parce qu'il est assis à son trône, nous ne pouvons pas dire que à un certain moment, à une certaine période, son trône était vacant. Right, just because he's seated upon his throne today doesn't mean that at some point in time the throne was empty. Mais il est là. But he's there. Alléluia. Alléluia. Mais il est là. But he's there. Nous avons dit que lorsque nous parlons de la présence de Dieu, and we said that when we talk about the presence of God, nous ne manquerons pas de parler de l'onction de Dieu. We must not forget to talk about the anointing of God. L'onction se développe. The unction of God must be developed. Et avec l'onction, nous sommes en mesure de réaliser certaines choses. And because of the anointing, we're able to accomplish certain things. À cause de l'onction, nous sommes en mesure de réaliser les grandes choses dans notre vie.
With the unction, we can do great things in our lives. À cause de l'onction, nous sommes à mesure de réaliser de grandes choses dans notre ministère. And because of the unction, we can do great things in our ministry. À cause de l'onction, les médecins qui sont ouais réalisent de grandes choses dans le domaine médical. The physicians that are anointed can do wonders in the medical field. Les ingénieurs qui sont ouais réalisent de grandes choses dans leur domaine. And anointed engineers can do great things in their field too. Les charpentiers qui sont ouais réalisent de grandes choses dans leur domaine. And the carpenters that are anointed can do great things in their field. Chacun est ouin pour accomplir une mission dans son domaine. And each one of them is anointed to fulfill a mission in their field. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a ouin pour. And Jesus said, the Spirit of God is upon me because he has anointed me. Nous ne recevons pas l'onction pour amuser la galerie. We do not receive the anointing to play games. Nous ne recevons pas l'onction certainement pour maudire seulement. We don't receive the anointing just to curse. Car l'onction donne la vie. Because the anointing gives life. Nous recevons l'onction pour réaliser des grandes choses, pour faire pour réaliser des grandes choses avec Dieu. We receive the anointing so we can accomplish great things with God. Pour faire des exploits avec Dieu. To do wonders with God. Tu es élève, tu as besoin de l'onction. You are a student, you need anointing. Tu es marié, tu as besoin de l'onction. You married, you need anointing. Ton patron au travail a besoin t'aime parce que tu as l'onction. Your boss at work loves you because of the anointing. Bien-aimé dans le Seigneur, à ton travail on t'aimera parce que tu es spécialiste en histoire. Beloved in the Lord, when you are at your job, nobody will love you just because of your knowledge dans of history. Dans tes affaires, tu ne vas pas attirer parce que tu as une petite tête ou bien une grosse tête. In your business, you're not going to have success just because of the size of your head. Tu n'auras pas la faveur des hommes parce que tu as une belle peau. You will not have the favor of men just because Mais of your skin. Mais tu auras la faveur des hommes et de Dieu à cause de l'onction de Dieu sur toi. But only because of the anointing of God upon you, you will get the favor of God and of men. Car c'est avec cette onction que nous réalisons des grandes choses. Because this anointing helps us to accomplish great things. Et l'onction nous l'attirons dans la présence de Dieu. And we gain the unction in the presence of God. C'est la présence de Dieu qui est la véritable source de notre onction. It is the presence of God that is the true source of our anointing. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je me souviens lorsque Tel Osborne en 2001 était déçu à Kinshasa. I remember one time in 2001 Tel Osborne was disappointed in Kinshasa. Alors quand il se présente pour la conférence. When he came for the conference. Il avait l'écharpe comme j'aimais là-bas. He had this scarf just like me. Les gens se sont précipités. People ran to him. Même Élisée qui avait le manteau d'Élie ne s'était pas précipité. Even Elisha didn't run to Elijah like that to get the mantle. Alléluia. Tel Osborne s'est rendu compte qu'il était envahi et les gens tiraient son écharpe. Tel Osborne realized that people were pulling on the scarf. Mais il voulait le pendre. He thought they were going to. Alors le vieux s'est rendu compte to kill him. Qu'il voulait mourir. So the man thought that he was going to die. Il se fâche. He was mad. Alors il pose la question, qu'est-ce qui se passe? So he asked what was going on. On dit non, le serviteur de Dieu avait besoin de l'onction. And he was told, no, the people of God need you. Il dit ça ne se mérite pas comme ça. And he said, no, you don't get it this way. Ce n'est pas dans un désordre comme ça que vous pouvez avoir l'onction. You don't get it in such a mess. Si vous avez besoin de l'onction, la présence de Dieu est là. If you need the anointing, get into the presence of God.